Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un haul Disney, Fnac, Primark un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Nose et Action. Ouais, je rassemble tout en une vidéo parce que comme il n'y a pas grand chose, voilà. Donc on va commencer tout de suite par la Fnac. Du coup, ça, bah, quand j'ai regardé les dessins animés, c'est vrai que du coup j'ai adoré et je voulais les pop de Raya. Donc comme souvent à la Fnac, il y a deux achetés, le troisième offerte. Bah, du coup, j'ai trouvé Raya comme ceci. C'est la 998. J'ai pris Namari. Donc celle-ci. Et j'avoue qu'il n'y avait plus grand chocolat. Dans le mien, en général, les pop, il n'y en a pas énormément. C'est ça qui est dommage. Du coup, il y a, bah, normalement, vous avez Tuk Tuk. Vous avez une autre Raya. Vous avez Noix. Je ne sais pas comment ça se dit, la petite. Ongi et Sissou. Et du coup, bah, moi, je voulais Sissou. Et je sais qu'il y a Raya aussi avec la petite dans la main. Et là, elle n'y est pas. C'est bizarre. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé que c'est de là. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais bon. Je me dis, je les trouverai ailleurs. Et du coup, il y avait aussi Stitch comme ceci. Donc, je suis trop, trop contente. Ça, c'est les nouvelles pop qu'ils font. Du coup, je l'ai prise. Et il n'y avait que celle-ci en site. Parce que là, j'ai vu que d'autres en avaient trouvé sur le site. Et du coup, voilà, je suis dégoûtée. Mais c'est vrai que dans le mien, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. Ce que j'ai pris à la Fnac, c'est tout ce que j'ai pris. Pour Disney, bah du coup mon ami, je la voulais déjà la dernière fois, je l'ai vue, je la voulais. Bon, après je me suis dit c'est collection de Noël, on a le temps et tout. Mais bon, mon homme il me l'a prise, donc du coup je suis trop contente. C'est la peluche Stitch Noël, elle est vraiment mais trop trop belle. Elle est pas très grande en fin de compte, hein. Je la voyais un peu plus grande. Je crois que c'était dans les 26 euros. Avec le petit caneton là, il est trop beau. Franchement il est trop beau. Il est trop mignon avec son petit bonnet, sa petite écharpe, son petit sucre d'orge. Donc voilà, trop content. Puis nous avec les passes, du coup on a des réductions en plus. Après il y avait ceci qui passait à 10%. Il y avait 10% dessus je crois. 10 ou 15, je ne sais plus. Elles sont à 22,99. Donc nous avec les passes... elles me seront venues à vers les 15 euros je crois. Donc voilà, je les ai prises parce que je les avais pas. Je me suis dit bah pour une tenue bleue, parce que moi c'est mon fils qui a le sac, cette collection là qui est soldée aussi, le jersey aussi était soldé, mais moi le sac transparent m'intéresse pas. Donc voilà, après dans une boutique il y avait plein de quoi. Moi j'y suis allée une semaine après, donc du coup il n'y avait plus beaucoup de choix. Des choses à moins 70%. Du coup il y avait encore ce nœud là, parce que je sais que dans cette boutique là en général il n'y avait que des nœuds, et là il n'y avait plus, il n'y avait plus que celui là du coup je suis dégoûtée. Mais j'ai quand même réussi à trouver Blanche Neige. De base il est à 13,99, donc moins 70%. Nous avec les passes on a moins 20%. Voilà, du coup ça fait quasi rien. Franchement j'ai payé, je vais vous montrer ce que j'ai pris, mais bah, j'ai eu pas mal de réductions. Et du coup, désolé pour le bruit. Du coup, j'ai pris cette figurine là aussi. Voilà. Franchement, bah moi, on adore Toy Story. Hein. Donc, ces figurines là sont très jolies. Donc, pareil, 24 euros moins 70% plus les 20% du pass. Voilà. Donc, ça valait le coup. Alors après la chose que j'ai pris en fait, c'est, j'ai hésité à la prendre, voilà, c'est la boule, normalement elle fait de la musique aussi il me semble, la Reine des Neiges. Oui, faut mettre des piles, faut que j'en mette, j'ai pas testé si ça marchait, mais bon, de base elle a 70 euros, mais vous aviez moins 70%, donc voilà, déjà moins les 70%, ça vous fait 35 euros. Plus les 20% de passe, elle est passée quoi, 20 et quelques euros quoi. Donc c'est vrai que j'avoue que ça valait le coup. Du coup c'est pour ça que je l'ai prise, et franchement elle est super jolie. Faut que je mette les piles pour voir si elle fonctionne, mais je pense que oui.
Et de toute façon, j'ai demandé à qu'elle ouvre devant moi pour que on voit ici. En général, parce que des fois, ils reçoivent des choses qui sont cassées. Donc voilà. Franchement, je suis trop trop contente. J'ai hésité, mais je l'ai pris parce que je me suis dit ça vaut trop le coup. Voilà. Après, mon loulou, il s'est pris un sac Loyalon. Ça, je ne l'ai pas pris. Je vais peut-être aller vous le chercher. Je reviens. Voilà, du coup, j'ai été le chercher. Donc, c'est ce sac-là qu'il a pris. Pareil, il est à moins 70. Je ne sais plus c'était quoi le prix de base qu'on a enlevé l'étiquette, du coup. Mais bon, pareil, ça passe à moins 70. Mais celui-là, il était déjà soldé à un moment quand le parc avait rouvert la première fois. Et on, je ne l'avais pas pris parce que voilà. Mais là, du coup, on l'a pris. On a dit ça vaut le coup. Il a voulu prendre Marie, voilà, qui est dans un petit sac. Comme ceci, voilà, il a voulu prendre. Je ne sais plus à combien elle était non plus, parce qu'il a enlevé le pouf juste où il y a le prix. Pareil, moins 70, donc voilà, il a voulu prendre ça. Et la dernière fois, on avait vu ce petit livre, et bon, voilà, il me l'a fait acheter, parce qu'il avait un petit peu de sous. C'est mon carnet de voyage à Disneyland Paris. Et en fait, ça pose plein de petites questions sur la journée que vous avez passée, mon voyage pour arriver, tout a commencé. Après, il faut mettre les autographes, les photos. Je trouve que c'est sympa pour mémorer une journée à Disney. Voilà, on avait trouvé l'idée super sympathique. Donc là, il a voulu le prendre. Donc, on ne l'a pas encore fait. Il faut qu'on le fasse. Et voilà. Je ne sais plus à combien il était. Je ne sais pas combien il est. Il n'y a pas le prix, là. 10 euros, 9,99. Et bon, c'est vrai qu'il le voulait depuis longtemps, il me fascinait, il a dit maman, s'il te plaît, nanana. Donc je lui ai pris le laser Toy Story. Bon, il fait du bruit et tout, mais je ne vais pas vous l'allumer parce que voilà, il fait de la lumière et tout. Donc, du coup, là, on lui a pris. Après, mon grand, c'est pareil, je sais plus dans quel dessin animé c'est ça, ce chien. Mais il a voulu ce chien. Je sais plus dans quel dessin animé. Pareil, il est passé à moins 70. Je sais plus à combien il était, mais en général, je crois que c'est 24 ou 30 euros ceux-là. Donc moins 70. Et celle-là, elle n'était pas soldée, mais bah, il a voulu l'osso. L'osso, j'ai du mal. Qui sent la fraise. J'avoue qu'il sent bon. Donc voilà. Donc il a pris celui-là. Qui passait pas soldé et tout, mais bon. Il l'a pris parce que c'est vrai que lui c'est très rare qu'il a des choses, donc on lui a dit allez vas-y, on n'achète pas non plus tout le temps des choses à Disney hein, donc voilà, là, on a fait une exception ce jour-là. Donc voilà, pour Disney c'est tout pour l'instant. Primark, franchement j'ai pas acheté grand chose cette fois-ci. J'ai trouvé ce pull là pour mon grand, voilà, pour la rentrée, comme ça il a niveau pull c'est bon, il en aura assez. Bah, j'ai trouvé ça sympa, il est tout simple hein, mais il est sympa pour 7 euros. J'ai pris ces chaussures là parce qu'en fait je les ai en rose et je les voulais en d'autres couleurs et je les ai trouvées qu'en noir dans ma pointure, donc elles coûtent 6 euros. Franchement elles sont trop trop bien, on est trop bien dedans. Je les ai en rose déjà, je les voulais en noir, je les voulais en beige ou blanc. Je les voulais en rouge, je n'avais pas ma taille, donc voilà. J'ai pris que celle-ci. Et je crois que c'est tout. Hein. Non, j'ai vraiment pas pris, il me semble. Non. Si, j'ai pris ça aussi. À Primark. 2 euros le Stitch. C'est tout ce que j'ai pris, il me semble. Hein, bon, bon. On va passer à Nose. Nose, j'y suis allée alors que j'y allais. Ça faisait un petit moment. Et là, je suis trop contente parce que je suis tombée sur des pareils. Je suis trop, trop contente. Enfin, je trouve l'alien de Toy Story 4. Quoi, Toy Story, parce qu'ils sont dans tous les Toy Story. Donc, c'est trop cool parce que du coup, il m'en manque très peu. Bon, je l'ai eu à 6,95. Donc, du coup, ma collection Toy Story, il manque juste cette lignée-là. Bon, il y avait lui, mais je ne l'ai pas pris. Et je crois qu'il manque juste cette lignée là et je les aurai tous. Donc du coup je suis trop contente. Donc voilà. En plus pour le prix, c'est trop bien. Et je ne pouvais pas la laisser parce que pareil. Celle-ci en magasin, je crois qu'elle est à 24 ou 29 euros. C'est le cheval dans la Reine des Neiges 2. Je sais plus. Voilà. Voilà. Il est trop beau. C'est vrai que je le voulais aussi. Bon par contre, la Reine des Neiges, il m'en manque quand même. Parce que j'ai Olaf, j'ai Anna et Elsa.
Il m'en manque quelques-uns. Il y avait aussi celui-là. Mais je ne l'ai pas pris non plus. Parce que voilà, je ne pouvais pas tout prendre. Mais c'est vrai que ça valait le coup. Et là, celle-ci, elle est à passer à 9,99€. Donc non, je ne pouvais pas le laisser, quoi. Je ne pouvais pas. Et oui, il y aura aussi du Stokomani, parce que j'étais à Stokomani et j'ai trouvé ceci. Franchement, je ne pouvais pas le laisser. Mon bébé Yoda, il est trop mignon. Je ne sais plus, c'était 6€, je crois, ou 4€, je ne sais plus. Et il y avait ceci. Trop mignon. Je les ai pris, c'était obligé, je ne pouvais pas les laisser. J'aime trop Baby Yoda. Donc voilà, et pendant ma semaine de vacances, on a été au Shop Disney. Franchement, il y avait pas mal, quoi, il y avait des petites choses. À solder, il y avait déjà plus grand-chose parce que moi j'y allais pour les tenues Nouimos et du coup, il y avait déjà plus beaucoup. Mais il y avait des choses qui me donnaient envie, mais bon, je pouvais pas trop. Du coup, j'ai pris celle-ci, qui c'était au lieu de 15€, elle passe à 7,80€. Je crois. Donc, encore, j'ai pas de Noémos fille, mais ça ne devrait tarder. Donc, parce que ma prochaine, ça va être mini. Donc voilà. J'ai pris celle-ci, mais j'en ai pris deux autres, mais que j'ai déjà utilisées. Je vais essayer de vous aller chercher ma boîte et de vous montrer. Et j'ai pris aussi ceci. Parce qu'au départ, je me suis dit, il y en avait plusieurs. Bon, j'en ai pris qu'une. J'ai pris celle-là basique. Et je me suis dit, pour les Noémos, ça peut servir aussi. Parce que normalement, c'est pour accrocher sur le sapin. Mais moi, je l'ai pas pris pour ça. Bah pareil, elle était soldée à 11,90 au lieu de 17. Et il y avait la orange, comme nous on a. Et il y avait une de Noël. Noël, elle était belle aussi, j'ai hésité. Bon, j'ai pris celle-là. Je vais essayer de voir les autres tenues. Attends, je reviens, je suis juste là. Je sais pas si elles sont sur mes mimos ou pas. Je crois pas qu'elles vont être là, les tenues. Non, en fait là, en fait c'était la tenue où il y avait ce petit truc, ce petit haut, ceci et le bas noir. Le bas noir et le petit haut blanc. Donc pareil, 7,90 et il y avait celle avec le petit celui-là, le pantalon pareil, le petit haut. Pareil, 7,90 au lieu de 15, puisque j'ai vu c'est 15 à Shop Disney. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas été sur Shop Disney et sur Paris. Et il y avait le Launch 5 Mickey. J'hésitais à le prendre. En plus, il était un tout petit exposé, mais il l'avait plus derrière. Donc du coup, ouais, j'ai hésité. Mais du coup, en plus, mon loulou était chiant. Du coup, voilà, bref, j'ai vite. Ça m'a stressé. Donc on va passer, je pense, à Action. Alors, j'y suis allée en plusieurs fois, j'y suis retournée ce matin. Du coup, j'ai repris une petite bouée comme ça. Pareil, ça sert pour mes nuits, moi aussi. J'ai pris ce bracelet-là parce que je l'ai trouvé super joli pour l'été. Je sais pas si vous voyez avec le reflet. Voilà, ces couleurs d'été que j'adore. Franchement, ils sont trop trop beaux. Ils en font pas mal des jolis, mignons, je trouve. Après, bah, j'ai repris, ils font les masques, hein, ils faisaient les masques princesses, du coup j'ai pris celui-là. J'ai pris ça parce que ça peut servir quand on va à Disney et tout. Moi, je m'assois jamais hein, dans les trucs, hein, c'est super, voilà. Mais mon loulou, il a du mal à rester debout, du coup, voilà. J'ai trouvé des tissus déco, voilà, comme ceci, rose. Alors, que j'y suis allée. J'ai repris du dentifrice, bah, vous voyez, je ne me rappelais même plus parce qu'il fallait que j'en reprenne. Et ce matin, on y est retourné ce matin et j'ai zappé. Heureusement que je l'ai fait acheter en fait. À Noz, il y avait des stylos comme ça, Mickey. 50 centimes, je crois. Du coup, j'en ai pris deux. J'ai pris quoi? J'ai pris aussi ceux-là en bracelet. Franchement, ils font des super beaux et les couleurs sont sympas pour l'été. Après, ce matin, j'ai pas regardé ce qu'ils avaient. J'ai pris aussi celui-là en tissu vert mint. J'ai pris aussi ceux-là. Voilà. Et derrière, il y a des noirs. J'ai pris ça, franchement. Depuis que j'ai goûté ces trucs-là, j'en suis devenue accro. Je vous montrerai après ce que j'en ai racheté ce matin. Mais ça, j'adore. C'est pas très bon, mais j'adore. Hein.
Et j'ai refait encore des masques. Hein. J'ai pas action sans prendre de masque. Et j'ai pris ceux-là aussi. Ils font des bulles. Alors du coup, on y est retourné ce matin. Du coup, on a repris des gaufres au chocolat comme ceci. Bon, je vois qu'elles ont déjà... Elles avaient déjà un peu fondu. On a pris ça parce qu'on a un truc à oiseaux et du coup, on prend la nourriture à action. Donc voilà. On en a pris deux paquets. Alors ça, je vous ai dit, voilà. Ils sont en coca, pomme, après. Moi, j'adore ceux de là. Mes loulous et mon mari, ils n'aiment pas trop celui-là. Et le rouge, ils aiment bien. Donc voilà. Mais j'en ai, voilà, j'y allais pour ça. J'ai refait mon stock. Après, j'ai repris mes petites lingettes comme ça, anti-décolorant. Parce que depuis que je me suis décolorée ma jupe tutu, bah, du coup, j'avais tout le temps, je les mets tout le temps maintenant. On a pris des Kinder comme ça. Et du coup, j'ai trouvé ce matin des nouveaux masques. Donc, c'est ceux-là, les Lollipop. Ils ont l'air trop sympas. Et il y avait celui-là, le Check It. La gourmandise. Donc, j'ai pris ceux-là. J'ai donc voulu goûter ces gâteaux-là. Mais souvent, les gâteaux comme ça, Action, on en avait déjà goûté. Ils sont pas top, top. On verra, je vous dirai des nouvelles. J'ai repris des sacs poubelles. J'ai repris des bougies. C'est vrai, je ne l'ai jamais prise, il me semble. Je ne sais plus. Voilà, j'ai voulu changer. J'ai pris celle-ci. Et j'ai repris celle-ci. Voilà. Après, il y avait quoi? Il y avait quoi d'autre aujourd'hui? On a trouvé ça, franchement, super top. Pour 1,79€. En fait, vous avez des pages. Mais ça y est, je sais plus. Il y a deux types de croquis et papier un peu plus épais pour faire mince. Je l'ai dit en plus ce matin. Il y a du fin comme ça, blanc. Je sais pas si vous allez voir. Et il y a du épais pour faire l'aquarelle ou autre. Franchement, c'est super sympa. En plus, vous pouvez décrocher ou pas. Donc, c'est top. Comme nous, on aime faire. Ah, j'ai un trou! Je sais plus. Je trouve pas mes mots, ça m'énerve à chaque fois. J'ai trouvé ces nouveaux petits stickers. Voilà. Bon, ça, j'avoue qu'en ce moment, je ne scrape pas beaucoup, mais là, j'ai envie quand même de me remettre à faire des petites choses. J'ai trouvé ceux-là, les nouveaux Reine des Neiges. J'ai trouvé ceux-là, ils sont trop cute. Et j'ai trouvé ceux-là aussi, des nouveaux princesses. Ils sont trop mignons aussi. Voilà, voilà. Après, ils ont repris ça ce matin. Ah, ça me gratte. Après, donc, voilà, ils ont voulu reprendre ça. On en a pris 3 paquets. Et du coup, j'ai trouvé ceci ce matin. Voilà, c'est un grand cahier à 4. Et c'est des feuilles blanches. Donc, je me suis dit, pour le scrap ou quoi, ça peut être pas mal. Même pour faire un memory planner, j'avoue que ça peut être bien. Donc, je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je vais m'en servir. Il existait en plusieurs couleurs. Là, il est en rose pailleté. Il était en or, argent, plein de couleurs aussi. Je pense que j'en reprendrai parce que ça peut servir, ça, par contre. Donc, ouais, je pense que même pour quoi, mais plein de choix, je ne sais pas. J'ai pris un parce que je me suis dit, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Après, j'ai pris aussi ça. Pour faire peut-être un album de nos vacances. Donc voilà, j'ai trouvé sympa. Vous avez des feuilles. Et vous en avez plusieurs. Je vous montre vite fait. La luminosité, en plus, elle n'est pas top. Hein. Et en fait, vous avez un peu tout dedans. Vous avez des comme ça, des die cuts. Il y en a plusieurs aussi. Hop. Voilà, je me suis dit pour faire un album de nos vacances, ça peut être sympa. Donc j'ai pris ça. Voilà, il y en a encore. C'est bien parce qu'en fait c'est complet. Il y a die cut. Là, il y a des trucs comme ça pour faire les mots. Il y a les feuilles, il y a tout quoi.
Il y a des stickers et là il y en a encore des lettres. Donc c'est sympa. Et je suis aussi tombée sur ça ce matin. Donc ça c'est top. Parce que moi j'écris, voilà, j'écris beaucoup aussi. Et en fait, c'est des, bah, des pages des papiers à lettres en fait. Et vous avez de quoi faire des enveloppes. Je sais pas si vous allez voir. Donc du coup, voilà, vous en avez plusieurs. Là, vous avez celui-là et vous avez les lettres, les enveloppes quoi pour faire papier. Voilà. Là, vous avez celui-là. Pareil, vous avez l'enveloppe et ainsi de suite. Voilà, j'ai trouvé celui-là sympa. C'était la première fois que je voyais. Comme je suis toujours à la recherche de papier à lettres. Donc, pour 1 euro, je crois, ou 1 euro 50, comme ça. Et j'ai trouvé celui-ci aussi. C'est un peu plus vintage. Et bon, c'est sympa aussi. Voilà. Et il y a pareil, il y a pour faire l'enveloppe. Je vous en montre quelques-uns. Voilà, franchement, j'ai trouvé trop bien. Mais si j'en retrouve d'autres, j'en reprendrai parce que franchement, voilà, top top. Voilà, pour faire l'enveloppe. C'est super sympa. Parce que c'est vrai que papier à lettres, on n'en trouve plus. Du coup, c'est chiant. Et voilà, pour faire l'enveloppe. Voilà, je vous en ai montré quelques-uns. Donc voilà pour tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye bye.